d'habitants, des jeunes, des familles ou des enfants venus entendre pour la première fois le récit du calvaire de ceux qui ont tenté l'aventure. Nous partons en direction de la mer. Il nous faudra 6 heures pour y arriver. Il est 2 heures du matin, le bateau est à l'eau. Nous sommes 36 à grimper à bord. Personne ne sait vraiment naviguer, mais les passeurs restent à terre. Ils installent juste le moteur et nous poussent vers le large. 300 mètres plus loin, la mer est trop forte. Notre barque est retournée par une vague. Nous revenons tous à la nage vers la plage. Ça va ? On aurait pu se limiter à la projection du film et multiplier le matériel et s'en aller, mais permettre de créer cet échange, de leur donner la parole afin d'avoir leur rendu, leurs émotions, leurs sentiments sur ce qu'ils voient et puis aussi sur les motivations éventuelles du potentiel qu'ils voient. Pour moi, c'est important. Nous sommes de retour à notre campement dans le désert. Les passeurs nous y abandonnent avec le bateau et le moteur endommagé. Ça y a deux personnes que moi. Une personne de presse a dit nous bien quoi pour aller sauter ça dans l'eau. C'est un voyage terrible. C'est un voyage qui fait peur que je l'ai vu toute sa vie. Pour moi, je me suis fait entrer installer une sorte de dialogue qui doit être maintenu, je pense, au niveau des collectivités locales. Il ne s'agit pas pour nous essentiellement de venir d'Abidjan, de parler de migration, mais c'est aussi que la pression soit maintenue au niveau local, au niveau des préfets, au niveau des collectivités territoriales, de sorte à ce qu'il y ait ces échanges permanents qui permettent d'évacuer surtout souvent un trop plein de frustration et aussi de partager les émotions avec les personnes. C'est très important. Mais c'est triste quand on vous parle de ce qui se passe en Libye. En Libye, c'est encore beaucoup plus grave. Les échanges que j'ai eus sur l'ensemble de 700 civilisations du monde qui ont été menées, on va parler des problèmes d'emploi, on va parler de prolifération des réseaux de passeurs dans la région d'Afrique de l'Ouest, on va parler du but de l'Occident, hein, le but de l'influence que l'Occident a. On va parler de l'influence négative des réseaux sociaux. Hein, les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement politique, il y a aussi ce qui est négatif. Il y a l'influence négative des réseaux sociaux. Et puis, il y a cette perception qu'ailleurs, il est plus facile d'accumuler les ressources que ça ne l'est ici en Côte d'Ivoire. C'est illusoire. Encore faut-il comprendre qu'en Europe, le prêt de vie est beaucoup plus élevé, que les dépenses sont beaucoup plus importantes, que les revenus sont en rapport avec le niveau de vie. Ce sont les calculs qu'il faut pouvoir faire et tout le monde n'a pas la possibilité de faire ces calculs. Paris, l'Europe, un rêve devenu cauchemar pour des dizaines de milliers d'Africains. Le rêve n'est jamais devenu réalité. Il a perdu son accent d'origine, mais ce sont toujours de son équipe. Quand tu étais dans l'enfant maintenant, c'est ça, ça commence à à les moments là, on ne sait pas comment avoir. Parce que tu ne sais pas comment tu vas, où tu vas. Tu ne sais pas comment tu vas dans les documents, tu ne sais pas comment tu vas manger. Tu ne sais pas comment tu vas dormir. Tu restes en Afrique, mais parce que en Afrique,
pas comment tu vas gagner quelque chose, tu peux travailler, tu peux faire le travail pour gagner en Europe sans papier, sans appel, sans comprendre la langue, comment tu vas faire? Il y a des gens qui regardent la télévision et pensent, ah, l'Europe c'est belle, l'Europe c'est facile, tu gagnes le travail, tu gagnes l'argent, tu gagnes tout ça là. Tu y vas en Europe, tu fais, tu es content, tu fais tout, mais c'est pas comme ça. Pourquoi j'ai venu ici? Pourquoi j'ai laissé mon pays? Pourquoi j'ai venu ici? En Europe, il y a les gens qui meurent ici, il y a les gens qui donnent la route, il y a les gens qui n'ont pas même pain pour manger, il y a les gens qui n'ont pas même l'argent pour payer l'eau pour boire. Moi-même, je pensais que quand j'arrive en Europe, il va gagner tout facilement. Il va gagner l'argent, il va gagner le travail, il va gagner le pouvoir. Quand je suis arrivé en Italie, il y a beaucoup de personnes. En Europe ici, tu es ici un peu les gens au pays là-bas et dis pas la vérité. Il y a des gens qui arrivent ici et mettent les jolies photos en Facebook, on met les jolies photos dans la route de l'Europe, ils font les selfies, ils font tout ça là pour mettre ça sur le social network. Donc les gens voient ça et disent wow, celui-là est gay, celui-là est bien, l'Europe est jolie, l'Europe est bien. La vérité, c'est pas ça. Peut-être les gars qui amènent les photos là-bas, peut-être qu'ils ne gagnent pas pour manger même. Par la vérité, oui. Lâche. Oui, ma chère, désert, bien. On s'écoute, on s'écoute. Je vous ai dit, je suis très déçue. Quand je vois mes frères ivoiriens qui souffrent comme ça, je suis très déçue. Quand je dis moi la migration, c'est pas normal. On souffre, et sans pardonner. On a causé la faute de Dieu. Ne partez pas la ici. Vous pouvez prendre pour faire un projet ici. Pardonnez. S'il vous plaît, restez dans votre pays. Merci beaucoup. Elle dit pardonnez-moi la migration irrégulière. L'argent que vous allez prendre parfois, c'est au moins 500 000 francs. Sinon plus 2 millions, 3 millions, l'argent là, on peut prendre pour faire quelque chose de bon ici en Côte d'Ivoire. Qui va nous dire par exemple ce qu'on peut faire avec cet argent ici en Côte d'Ivoire? Quelles sont les opportunités qu'on a ici? On s'écoute. Arabo, parlez bien. Vous savez. François d'abord. Je vais en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Par exemple, si tu as un petit moyen de 200 000 ou 1 million, tu peux faire un petit magasin et puis en plus de cela, tu peux aussi demander de l'aide à l'État de ne pas dévoluer. Par exemple, quand il va dévoluer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas augmenter le côté financier, il va augmenter un peu la somme d'argent. Tu peux aussi faire une petite rotation. Même pour nos frères qui voient en Europe aller cultiver de la tomate ou aussi une plantation de banane. Bon, tu peux faire un projet de banane ou un projet de la tomate en Côte d'Ivoire et l'État va mettre la main. Et cela va travailler avec l'État et tu vas beaucoup en bénéficier. Donc, le peuple veut dire à mes frères, c'est que en Côte d'Ivoire, nous avons suffisamment d'argent et encore on a la terre qui est très riche. Donc, je suis content de voir. Merci beaucoup, Idi. Restons en Côte d'Ivoire ici, on a de la richesse. Mais toi, tu veux dire quelque chose? Oui, toi, tu as le micro. Merci beaucoup, Bernard Sangaré. Alors, moi, je te donne la parole pour que tu parles un peu à ta jeunesse, tu parles un peu à tes mamans, à tes femmes, etc. Mais avant, il y a quelqu'un, il y a une équipe qu'il faut remercier. Elle est venue depuis l'Italie, je pense, ça fait 8000 km parcourus pour venir ici. Ça s'acclame.
c'est l'équipe de Bambini del Deserto avec Davide. Davide est où? Davide! Il est dedans. Quand il est dedans, avec son équipe Philippe, Andrea, ils sont venus de l'Italie pour vous porter l'information. Je voudrais en quelques minutes que tu dises un mot après avoir regardé tout ce film-là. Dis un mot à la jeunesse, surtout. Je voudrais que tu parles à ceux qui veulent coûte que coûte aller de façon irrégulière. Ensuite, Madame Kella va reprendre la parole pour donner des conseils aux mamans. Généralement, on a remarqué qu'il y a des mamans qui poussent leurs enfants à aller pour dire « Ah, il veut Tara, il veut Tara, il faut venir faire une meuf comme ce que le gars va faire pour sa fille, pour sa maman, la faut aller, tu vas venir. » Donc, elles encouragent les enfants à partir. Ces femmes-là aussi, il faut qu'on leur donne des conseils ce soir. Donc, madame, tout à l'heure, vous allez prendre la parole après le président pour donner des conseils à vos amies femmes pour dire « Attention, on peut partir, mais il faut partir de façon légale. » Madame Sangare, tu as la parole, s'il te plaît. Merci. Avant tout propos, je voudrais dire merci à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement pour dire que ce que nous venons de regarder, c'est un film, mais c'est une réalité. Ce sont des choses qui se sont réellement passées et ça doit nous sensibiliser pour montrer que on peut partir en Europe, mais il faut utiliser la voie régulière, c'est-à-dire aller à l'aéroport, faire ses papiers normalement, ou bien aller pour des études, pour le boulot. Mais il ne faut pas forcément aller par la voie irrégulière à travers la mer, surtout quand on a une activité ici. Quand on travaille ici, il faut rester ici pour développer le pays. Il faut rester ici pour développer l'Afrique. Et vous dites que l'Eldorado, c'est ici. On peut rester en Côte d'Ivoire ici réussi. Et il y a des millions de personnes qui sont là qui ont réussi. Et cela doit nous servir d'exemple. Et je dis à la jeunesse que quel que soit le métier, quelle que soit l'activité que tu fais, il faut prendre cela au sérieux pour le bonheur de la population. Merci d'avoir choisi pour ma côté. Merci d'avoir choisi à ta vie. Merci. Ça, faut pas l'oublier. Ce que nous dénonçons,
c'est le phénomène de la migration irrégulière. Irrégulière, là. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le fait de prendre des voies clandestines. Par exemple, par la mer, par le désert, sans papier, vous êtes à la merci des coxins pour arriver, pour vouloir arriver en Europe. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Sinon, le fait de faire ces documents de façon légale, d'aller étudier en Europe ou d'aller travailler ou même d'aller avec sa famille rester là-bas, ce n'est pas mauvais. C'est que nous dénonçons et c'est pour ça que nous avons fait jusqu'à 47 projections dans presque toute la Côte d'Ivoire. Parce que après aujourd'hui, on va côté, demain on a commencé Inch'Allah, ensuite à Gonzagueville, après Bassam, après on ira à Divo, Ganiwa, Daloa, jusqu'à revenir à travers la caravane à Bidjan pour clôturer. Donc ce qu'on dénonce, c'est comme on l'a dit tantôt, c'est la migration irrégulière. Je vous en prie, si vous voulez partir, c'est bon de vouloir partir, mais on va de façon régulière. Si on est d'accord avec le message, on peut acclamer à la journée que la tour se prépare pour venir faire une première station. La tour s'appelle Niemo. Moi, je suis la responsable, elle est toute grosse, mais je sais que dans quelques mois, c'est fini. Elle va coucher. On peut la contacter pour ceux qui veulent qu'elle revienne. Merci.
Thank you.
Thank you.
jeunes. Parce que c'est leur loi. N'a jere si ça ni possibilité bien. Il va faut compter ce qu'a baraninya. Mais va faut. Et quand le flan est barara. A un bon milieu flan, na war to sa regetara. Il va war bomi. Parce que il va to kamene. C'est là maintenant. Il va pour avoir wele jamana ya. Ko ah voilà situation. Voilà la situation qui est là. Ah, on passe là, hein? Thank you.
Thank you.
Thank you.